Se retrouve aujourd'hui parce que j'ai des petits achats à vous faire partager. Alors j'avais dans ma boîte aux lettres quand je suis rentrée ceci. Et ceci, qu'est-ce que c'est donc? C'est ma commande Florence Nature et j'avais envie de vous en parler parce que j'adore ces produits-là. Et attendez, je vais essayer de pas trop faire de bruit. Je vais finir ma phrase après. Donc je voulais dire que oui, je voulais vous en faire profiter parce que je pense qu'avec mon lien de parrainage, vous pouvez gagner des sous. Voilà, vous pouvez gagner 15 euros. Donc ce n'est pas négligeable, enfin gagner 15 euros, 15 euros à dépenser sur le site, hein, bien entendu. Mais bon, ça peut toujours vous... pas inciter, enfin vous permettre de faire une première commande, voilà. Donc je vais vous faire partager mes petits achats parce qu'en fait voilà, je vous en parlais dans une précédente vidéo. En ce moment j'utilise tous les matins de l'huile d'argan, tout le matin et tous les soirs aussi de l'huile d'argan. Et donc j'avais vu chez Action, je me suis dit oh, elle est à 2 euros et des brouettes. J'ai regardé la composition et en fait le premier ingrédient c'est pas de l'huile d'argan, alors que ça c'est de l'huile d'argan pure. Voilà, donc j'ai regardé, ben, là en fait le seul ingrédient c'est l'huile d'argan, donc c'est ça qu'on veut. Donc la contenance c'est 50 ml. J'en ai pris deux parce que bah, je m'en sers beaucoup et bon là j'en ai pour 6 mois, hein, là j'en ai pour longtemps. Et je l'ai payé, alors attendez, je vais regarder ma facture parce que ça m'est revenu à 12,95 € l'un à la place de, je crois qu'à la base c'est à 19 euros. Et donc j'avais un 20%, un bon de 20% de réduction que j'ai utilisé. Voilà, donc ensuite j'ai pris un déodorant, alors je ne connais pas du tout, c'est un déodorant, alors c'est en fait ce qui m'a poussé à le prendre c'est que c'est citron verveine, et j'adore cette, oh oui, j'adore cette odeur là, donc ben, c'est à tester, je ne connais pas l'efficacité, bon, on va le faire en direct, je sais pas, on verra si ce soir je pue ou pas, ah mais en tout cas j'adore l'odeur, c'est très frais. Et donc ça, je l'ai payé 5,55 €. Je sais plus quel était le prix d'origine. Je pense que ça, c'est le prix baissé. Ensuite, j'ai pris de la levure de bière. Ça, c'est pour les cheveux et les ongles. Donc j'en ai pris deux pots. Et c'est pareil, c'était un prix baissé. C'était 6,45 € l'un, donc 12,90 € les deux. Et je crois que là, c'était aussi le prix réduit. Hein. Donc ça j'en ai pour un petit moment. Je crois qu'il en faut un le matin, un le soir, c'est ça? Ouais, un le matin et un le soir. Donc voilà. Ensuite j'ai pris du magnésium marin. Vous savez c'est l'équivalent de Magné B6 là. C'est des comprimés à prendre il y en a pour 30 jours, je crois que c'est un par jour. Non, deux comprimés par jour, un petit déjeuner, un au dîner aussi avec un grand verre d'eau. Et donc ça c'était à 7,50 €. Et j'ai pris un baume à lèvres. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Au karité, nourri et adouci. Bon, c'est un baume à lèvres. Gratuit, 5,55 €. 5,55 €. Je sais pas s'il y a... Ah oui, ça sent le sucré. Je saurais pas en dire plus. Voilà. Et en cadeau, j'ai eu... on a le choix, en fait, à partir d'un certain montant, on choisit le cadeau qu'on veut et j'ai choisi l'eau micellaire parce que j'en ai plus et de temps en temps, ça rend bien service. Donc, c'est l'eau micellaire au bleuet. Voilà, d'une contenance de 200 ml. Et donc, je vais vous mettre mon lien de parrainage en barre d'infos. Donc, si vous voulez passer une commande chez Florence Nature, vous aurez 15 euros de réduction, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, voilà. Alors ensuite, passons à la suite, parce qu'il y a une suite. Je suis passée chez Action ce matin, parce que j'étais, voilà, pareil que la dernière fois, j'étais pas dans mon quartier, je suis allée voir l'autre Action qui est à l'autre bout de... Enfin, qui est plutôt vers Nice. Et donc j'ai acheté des carnets comme ça, j'en ai pris deux, parce que j'ai dit, il y en a un pour moi, un pour Victoria, parce que sinon elle va me le prendre. C'est un carnet comme ça, avec des pages sur lesquelles on peut écrire avec des feutres Velleda. Donc c'est un carnet effaçable. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Faut voir comment ça tient en fait quand on referme le cahier si ça s'efface pas. Mais je trouve ça sympa et ça coûtait 1,99 €. Donc j'ai pris celui-là pour moi et celui-là pour Victoria. Il y a des petits tigres, des félins, je sais pas de quelle sorte. Voilà.
Et donc c'est avec le feutre inclus, hein. Et vous avez le petit élastique pour mettre le feutre quand vous transportez votre carnet. Oh là, j'ai l'impression qu'il y a le tonnerre dehors. Ça va être sympa. Alors j'ai continué les achats pour la maîtresse et pour la tsem. Donc j'ai pris ça, c'est un lot de 3, ça doit être c'est des masques sérum pour les cheveux. Ouais, sérum pour les cheveux. Donc je vais en mettre un dans chaque trousse et le troisième je le garderai pour moi. Voilà, et ça c'était à 2,99€ si je me souviens bien. Oui, c'est ça, 2,99€. J'ai un petit Salem qui est derrière moi. Ça, voilà, ça c'est des tampons, enfin vous savez comme des cotons à démaquiller là, mais réutilisables. J'ai pris ça pour la maîtresse, donc je mettrai ça dans sa pochette. Et ça, ça coûtait 1,99€. Et j'ai pris ça pour la tsem, parce que je sais pas, je crois qu'elle se maquille pas, donc voilà. Et ça, ça coûtait 79 centimes. Et en dernier, alors là j'ai voyou maintenant, c'est la fête des chats ici. Et j'ai pris ça pour Victoria, mais ça je lui donne pas, je lui donnerai à l'occasion de faire un cadeau. Vous voyez les chats là? Voilà, alors quand je suis rentrée, alors voyou, voilà. Quand je suis rentrée, j'avais aussi un colis qui m'attendait. Hop là, un gros colis, de chez Timou bien entendu. Hein. Et j'attendais avec impatience parce qu'il y a des choses dont j'ai besoin tout de suite. Allez, comme d'habitude, je vais essayer de pas tout arracher. C'est minuscule. Alors ça, c'est des gommettes que je vais mettre sur des éventails pour mon spectacle. Parce que comme ça, on sait de quelle couleur est la lumière. Parce que j'ai des éventails qui s'allument. Donc il va falloir que j'en mette plusieurs parce qu'ils sont vraiment petits. Elles sont vraiment petites, les gommettes. Mais bon, ça va aller. Ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, alors ça c'est pour mettre sur le vélo de Minouchette. C'est des petites étoiles qui s'accrochent sur les rayons du vélo, des roues du vélo. Alors oui, on m'a reproché, entre guillemets, hein, de ne pas mettre les prix. Je les ai mis au début, je ne les mets plus parce qu'en fait les prix sont variables. Et si je vous mets un prix, ce ne sera pas forcément le bon. Alors moi je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc vous n'avez qu'à cliquer, vous retrouverez mes articles avec les prix actuels. Voilà. Donc ça c'est un petit duo de barrettes pour Minouchette. Oh là on voit rien. C'est un petit duo de barrettes papillon. Voilà, c'est tout mignon. Et c'est des barrettes comme ça, pinces. Hein. Donc ça se met facilement dans les couettes. C'est très sympa. Ça c'est pour ma voiture. Alors mais on voit rien du tout avec ma lumière. Ce sont des petites bandes réfléchissantes qui se mettent sur les pneus, sur les jantes pardon. Donc vous savez que j'ai une nouvelle voiture, je vais faire du tuning. Moi c'est pas du tuning, mais bon ça peut donner un petit style, je sais pas, je vais essayer. Donc ça il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 20. Donc il y en a 5 par pneu si je ne me trompe pas. Et voilà. J'ai repris un câble, il y a quoi? Ah il y a un truc cool. Ah mais il y a un pansement collé, alors ça c'est dégueulasse. Là, franchement, alors je sais pas si c'est quelqu'un qui l'a renvoyé ou si c'est la personne qui... Ah non, c'est immonde. Un pansement collé, quoi. Ah. Ah non, c'est dégueu. Je vais aller jeter ça tout de suite à la poubelle. Donc j'ai repris un câble d'iPhone. Moi, j'ai ça dans la main. Un câble d'iPhone pour mettre à mon ordinateur. Je sais pas si ça va bien marcher ou pas. En tout cas, celui que j'ai mis à ma voiture... je sais pas si ça marche bien. J'ai l'impression que de temps en temps, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se retrouve. Oui, chanson populaire. Bon, je vais jeter ça. Alors, on continue. J'espère que les autres choses sont propres. Alors ça, c'est de l'élastique dont j'ai besoin pour mon spectacle. Alors la couleur, je préfère celle-là. J'avais reçu un autre, c'était trop rose. Ça, c'est couleur un peu chère. Voilà, c'est un peu jaune, hein, mais... Ouais, bon, ça passe. Voilà, mais par contre, il n'y en a pas beaucoup. Alors, j'ai dû en prendre deux. Je vais regarder, je vais trouver le deuxième. Ça, c'est un support pour le casque, pour mettre à l'ordinateur. Donc, je ne sais pas où je vais le coller, mais comme ça, on pourra poser le casque dessus. Voilà, ça se colle. Hein. Il y a un petit autocollant derrière, enfin, qu'on met derrière. C'est un double face qui est fourni avec. Ensuite, qu'est-ce donc? Ah oui, ça, c'est un rangement pour les piles. Ça, je pense que je vais le coller dans mon placard pour pouvoir attraper les piles facilement. Je ne sais pas. D'abord, il faut voir si c'est facile. Donc, vous avez pour les piles AA et les piles AAA. C'est comme ça qu'on appelle. Donc, je pense que voilà, ça marche. Ah oui. Comment ça marche? Bon, il faut le monter, en fait.
Mais vous voyez le principe, vous mettez les petites piles au milieu et les grandes piles en dessous là. Bon, il va falloir que j'apprenne à le monter. Normalement, je suis pas trop mauvaise pour ça. Voilà. Après, ça aussi, c'est pour la voiture. Donc ça, c'est pour mettre derrière les poignets, pour pas faire des traces d'ongles. Et donc ça se colle en dessous de la poignée. Donc il y en a pour les quatre poignets. Voilà. Oh, pardon, pardon, voyez, je le mets dans la figure. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça doit être un vernis. Il faut que je déballe parce que là. Oh, bah alors c'est bien emballé. Ah non, ça c'est une huile à lèvres, pardon, c'est pas un vernis. C'est une huile à lèvres. Voilà, ça se conditionne de cette manière-là. Ça a l'air d'être à la pêche. Je crois qu'il y a un dessin de pêche dessus. Je vais vous dire ça tout de suite. Oui, ah, ça sent bon la pêche. Voilà, ça j'aime bien. Ça reste pas collant comme un gloss. J'aime bien la texture de ça. Voilà, une petite huile à lèvres. Alors, j'ai pris un nouveau lit, enfin un autre panier pour chat. Ouais, ça fait du bruit, il faut que je le sorte. Parce que mon chat Salem, qui est ici présent, passait sa journée dans le précédent et Voyou voulait y aller. Et maintenant, ils n'y vont plus ni l'un ni l'autre. Alors, je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais le renvoyer. Donc, ça, vous savez, c'est le panier comme ça. J'en avais déjà reçu un. J'en ai pris un plus petit parce que Salem, il est petit en fait. Du coup, il faisait tout petit dans le lit. Donc, j'en ai pris un plus petit pour lui. Je vais peut-être tenter de lui proposer. On va voir s'il y va ou pas. Et pour aller avec, j'ai pris le matelas, qui est bizarrement énorme par rapport à celui que j'avais pris la fois précédente. Alors, du coup, il faudra peut-être que je les inverse. Mais. Depuis que j'ai reçu le matelas, enfin vous savez, le matelas comme ça de la fois précédente, le chat n'y va plus. Donc je sais pas si c'est ça qu'il aime pas. Ou enfin, bref, du coup, il faut que je fasse tester au chat. Donc je sais pas si je vais garder ou pas. Ça dépend s'ils y vont ou non, parce que si c'est juste pour décorer, non merci, c'est bon, j'ai assez de bordel comme ça. Voilà. Alors ça, c'est un aspirateur pour ma voiture, parce que vous savez, j'ai une nouvelle voiture. Et en plus, elle est noire, et donc toutes les merdes se voient très bien dedans. Je m'étais dit que si je laissais ça dans la voiture, je pourrais passer un petit coup de temps en temps. Alors, je vais devoir un peu comment c'est. Parce que ça se branche. Ah, j'ai fait attention à ce que ça se branche à l'allume-cigare. Parce que moi, j'ai pas envie d'un truc qu'on ait à charger. Parce que sinon, je le charge pas, je me connais. Et donc, ça ressemble. Alors, pour ceux qui sont des années 80 ou 90, comme moi. Moi, je suis plus des années 80, hein. Ça ressemble au Spire 2000. Vous vous rappelez de Spire 2000? Donc il y a l'aspirateur, il y a un petit tuyau qu'on peut rajouter. Bon, faut que oui, en fait, je sais pas comment ça se met. Il y a différents embouts. Alors vu que l'embout est comme ça, je sais pas comment on rentre l'autre. Ouais, non, là ça rentre pas. Il faut que je trouve comment ça marche. Ah, il y a ça peut-être à mettre d'abord. Bon, bon, bref, faut que j'étudie la question. Mais donc vous avez plusieurs embouts. Il y a une petite brosse comme ça. Il y a un petit embout rond. Un comme ça, et il n'y avait pas un tuyau. Je crois que j'ai vu un tuyau, je l'ai fait tomber ou. Ah, il est là. Voilà. Donc là, c'est pour aller dans les recoins, mais par contre, je sais pas comment on le rentre. Si ça se rentre en force. Ah, peut-être, oui, parce que c'est en fait, c'est mou. Donc ça doit se rentrer en force. Voilà. Et ça, en fait, après, vous pouvez mettre les embouts au bout de ça. Voilà, j'ai compris le truc. Donc, il n'y a plus qu'à tester. Voilà. Il n'y a que celui-là qui se met directement dans le trou, puisqu'il est ovale. Comme mon trou de balle, j'ai envie de vous dire. Bon, bref, j'aurais peut-être pu me passer de dire ça. Donc, à tester. Mais les commentaires étaient bons. Alors, bon, on va voir. Et comment ça se vide? Est-ce qu'il y a une pochette ou est-ce que... Alors, il y a un filtre. Bon, normal. Et après... On a directement le réservoir. Hein, donc, je pense que ça se vide... comme ça dans la poubelle directement. Alors, je suis dans le bon sens, oui. Voilà, à tester. Ensuite, j'ai pris un petit lot de pinces à cheveux parce que j'aime bien. Alors moi, je pense que je vais surtout utiliser la noire et les marrons. Et le reste, ce sera peut-être pour Victoria. Enfin bon, même, peut-être que je pourrais utiliser les autres. Alors moi, j'ai pas une grosse épaisseur de cheveux, alors j'ai pris les petites. Et ça, c'est largement suffisant pour me faire ce que je fais là. Ça suffit.
Voilà, on va voir combien de temps ça tient. Ça a l'air un peu léger, mais ça ressemble. Enfin, c'est un peu les pinces qu'on voit partout en ce moment. Donc, il y a noir, marron, gris, bleu. Il y a deux teintes de bleu, violet, rose, jaune. Bon, voilà, mais c'est sympa. Un petit lot de pinces. Ça peut toujours servir. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc ça, c'est la suite de l'élastique que j'ai reçu. Mais je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que ça. Il me semblait qu'il y avait 2 mètres. J'ai pas l'impression qu'il y ait 2 mètres, demi-mètres là. Ça, c'est un protège. Passeport, parce que Victoria va faire son premier passeport, parce que normalement on doit partir à Cuba bientôt. Et ça, ce sera pour le passeport de Minouchette. Voilà, avec le V de Victoria. Alors ça c'est gros, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai pris de gros comme ça? Ah oui, alors ça c'est pour mettre sur l'accoudoir du canapé. Vous voyez, ça se met comme ça, et c'est un petit plateau. Alors effectivement, il est très petit. Alors ça, vous voyez, ça doit coincer, parce que vous voyez, ça ne tient pas comme ça. Ça se rabat tout seul. Vous voyez, si je lâche, ça se rabat tout seul. Donc ça, ça doit coincer le canapé. Et du coup, vous pouvez poser vos petites merdouilles sur le côté. C'est pas mal quand même. C'est pas très grand par contre. Hein. Regarde à côté de ma tête. J'ai pas une très grosse tête, mais bon. C'est pas très très grand, ça existait de plusieurs formes, j'ai pris le moins cher, hein. J'ai dû payer 5 euros parce que ça, c'est très cher normalement, donc c'est souvent quand les prix baissent que je me permets de prendre des trucs que je prendrais pas plus cher, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, bon bref, c'est sympa par contre, donc c'est vrai que là même pour poser un verre c'est quand même plus stable que sur le canapé, même une assiette, hein, je pense que ça tient. Bon, j'ai pas des très grandes assiettes, moi je mange beaucoup dans des grands bols et donc ça a un petit cul, tout le contraire de moi, quoi. Alors après, avec encore des pinces et celle. Ah oui, ça je sais ce que c'est. Ça c'est encore des pinces et pareil pour. Pardon, je fais du bruit. Elles sont toutes dans les mêmes couleurs, celles-là, dans les mêmes tons, donc il y a plusieurs formes. C'est des comme ça. Il y a comme ça. Comme ça. Là, c'est marron et noir. Hein. Ouais, il y a marron et noir. Et donc il y en a 10. Et dans des. Il y en a plus que 10 là. Et je pense qu'il y en a 10 de chaque couleur. Tu vois, marqué quoi? Non, 18 pièces. Il y en a 9 de chaque couleur. Oh là, il y a un trou dans le sachet. Mais ça, pareil, voilà, quand on veut s'attacher vite fait, même ça pour Victoria ou pour moi, c'est très bien. Parce que mine de rien, ces choses-là, ça disparaît tout le temps. Et ça, c'est un kit de vis. Pour normalement, c'est des vis et boulons. Parce que Victoria a un tableau noir là, qui est toujours en train de se barrer en sucette. Parce qu'il n'y a pas les boulons qui vont avec les vis. Alors par contre, est-ce que la taille est bonne? Oh, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas de serrer. Donc c'est des vis et des boulons qui correspondent. Hein, donc vous avez un lot carrément, je ne peux pas le pencher. Hein, sinon vous avez tout qui tombe. Voilà. Et ça c'est vrai qu'au moins, il y a tout un. Là on a tout un petit kit pour quand on a besoin. Parce que j'avais pas ce genre de choses. Voilà, ben ça y est, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà, le déballage est terminé. J'espère que mes petits achats vous auront plu. N'hésitez pas à commenter, j'aime bien recevoir vos commentaires. On n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, à recommenter et re-recommenter. Voilà, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.